On est dimanche matin, on est le 19 février et j'ai pas envie, ça fait un mois et demi que j'ai rien foutu dans le gîte, enfin rien foutu de vraiment gros gros boulot. Bah, faut remettre la machine en route, il fait un temps un peu dégueulasse, il pleut à tout moment, donc voilà, il faut se sortir les doigts et puis faut y aller. Donc, j'ai fixé mes deux chevrons de rive de mon mur pignon nord, donc le dernier pignon à remaçonner. Je vais recombler le vide qu'il y a entre les chevrons, consolider les panneaux tours et remaçonner tout ça. J'ai 3 jours avant qu'il n'annonce vraiment de la pluie pour faire ça. Et voilà. Used to spend my nights out in the barroom. Liquor was the only love that I've known. But you rescued me from reaching for that bottle. Brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Stay strong on your love all the time. And I've looked for love in all the same old places. And the bottom of the bottle was always dry. There's nothing like your love to get me out. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're stay strong on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. It's Tennessee whiskey. It's Tennessee whiskey. You're as smooth Tennessee whiskey. It's Tennessee whiskey. It's Tennessee whiskey. Voilà. Eh ben, le premier côté est terminé.
Voilà, j'essaie de recharger, refaire mon crépi à l'aplomb pour que ça soit propre, hein, bien chargé. Alors, je vais voir, est-ce que j'enlève cette partie fissurée là? C'est juste du remplissage à cet endroit-là, donc je vais voir ce que je vais faire. De l'autre côté, là, c'est de la brique, c'est de la merde, donc ça, faudra que j'enlève. Je vous montrerai quand ce sera fini, ça va être un peu plus compliqué à filmer, donc vous avez vu le principe. J'ai gratté les joints, je les ai creusés, hein, pour pouvoir rejointer ensuite, quand je ferai le mur pignon complet, brosser les pierres. Voilà. Pareil, elle est brossée. Enfin, mon arase qui est propre, impeccable. Bon, ben, j'ai repris goût, un petit coup. Là, ça fait du bien. Il me reste 2 jours pour faire l'autre côté. Donc, je devrais avoir. Parce que j'avais 3 jours de vacances. Donc, je devrais avoir le temps de finir même demain, je pense. Et faire un petit coup de nettoyage partout. Et ce sera encore une belle chose de faite. Et ben, je vous montrerai tout ça quand ce sera fini. A few moments later. C'est terminé, donc je vous montre la vue intérieure. Voilà. Il y a une ou deux pierres qui ressortent à peine. Bon, après, une fois que tout sera enduit, ça se verra plus trop. Voilà. Ah, il y a du manque, hein, mais voilà, ça sera comblé au moment du jointoiement final. Donc ça, c'est pas grave. Voilà, eh ben, je vais aller laver mes outils et puis voilà, hein, encore une bonne chose de faite. Alors, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de visionner et c'est l'occasion pour moi de vous faire un petit concours pour tenter de vous faire gagner un laser croix vert. Et le fait d'inclure ce concours dans une vidéo sans en faire la promotion autour, ça me permet de ne faire gagner que les abonnés ou les personnes qui auront choisi de regarder cette vidéo. Alors c'est Lasgo qui m'a gentiment envoyé pour vous le faire gagner donc ce laser vert. Donc il est envoyé dans une belle trousse rigide avec une petite poignée de transport. Donc c'est ce laser-là que je vais vous faire gagner puisqu'il me l'a envoyé à la maison. Ce sera moi qui vous l'enverrai après le résultat du concours. Donc il est calé dans sa partie mousse. On va avoir une mire. Pour faire les réglages du laser, un support où on pourra fixer le laser avec une molette de réglage pour pouvoir faire des réglages fins, et il est aimanté au dos pour pouvoir le fixer notamment sur des rails à placo. Un câble USB-C pour le recharger. Et l'avantage qu'il a ce laser par rapport donc au laser que j'ai pu avoir précédemment, c'est que ce ne sont pas des piles mais des batteries. Donc vous aurez 2 batteries avec le petit témoin de charge de la batterie pour ne jamais être à court. Une petite notice en français, s'il vous plaît. Et enfin le laser. Donc c'est un laser avec 3 modules, donc 2 verticaux et 1 horizontal. Donc c'est une belle qualité de finition. Franchement, il est super quali. Je vous mets les liens en description si vous voulez aller voir un petit peu leur boutique Amazon et leur site internet. C'est LG 3D. Et on va avoir la trappe ici pour l'ouvrir. On va insérer une batterie. Voilà, on va le mettre en route avec le bouton ici et on aura les boutons mode suivant si on veut sélectionner tous les lasers ou uniquement l'horizontal ou uniquement un des verticaux. Et on pourra aussi le verrouiller pour avoir une fonction si on veut vraiment mettre un trait à l'oblique. On veut mettre un laser à l'oblique, on pourra le verrouiller avec le bouton ici. Et le fait de clignoter, eh bien, vous dira que vous n'êtes pas stabilisé en fait. Voilà. Uniquement quand il est stabilisé, il va se maintenir. Si vous êtes trop incliné, voilà, il va clignoter. On saura que le laser n'est pas suffisamment à l'horizontale pour pouvoir se mettre de niveau. Alors pour gagner ce laser de chez Lasgo, il vous faudra 2 conditions. Donc la première, ce sera d'être abonné à la chaîne. Et la deuxième, ça va être de répondre à la question suivante. Donc mettez la réponse dans les commentaires.
Dites-moi dans quelle vidéo Eric le Carreleur fait la tourterelle dans le gîte. Dans la maison. Ah non, Eric. Je suis désolé. Fait que tu me l'as pris. Voilà, donc moi je vous dis à dans 15 jours pour le résultat de ce petit jeu concours. Je remercie encore Lasgo de m'avoir envoyé ce laser pour vous le faire gagner. Et je vous dis bonne chance. Ceux qui m'ont demandé dans les commentaires ce que c'était, c'est de la Simpson 8x160. C'est du tire-fond à visser. Donc on peut les visser avec une boulonneuse, avec un embout hexagonal ou avec un embout Torx. C'est du Torx de 40, je crois. J'en ai encore cassé aucune. Hein. Quand je force trop au serre-joint pour la redresser, j'y remets quand même un tire-fond pour la plaquer correctement en attendant de pouvoir tout faire. Toi, faut que tu m'aides à mettre la première, après ça va aller.
vas de pas couper avec ton bout de bois là. Hein. Non, il est bien carré. Le bout est là. Ah oui, il faut me les passer si tu peux dans le bon sens. Ouais. Alors, je vais m'aligner sur l'autre. T'es à fleur ? Non, beaucoup trop haut. Realized quickly when I knew I should. This world's made of this brotherhood of man. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to let it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
j'étais pour monter là tout à l'heure, moi. Oh, patapouf. Opère à souplesse. Johnny à souplesse. Bon, en fait, l'astuce, c'est qu'ici, il y a les marquages de recouvrement là. Ici, là. On voit un grand trait noir. Là, il y a un trait noir sur celui-ci et il y a le même en face. Donc, c'est la zone de recouvrement et ici, c'est la zone de scotch. Comme ça, ça permet d'avoir la ligne droite. Donc on vient mettre le scotch le long ici, on sait qu'il va recouvrir à la moitié. Et en fait, il suffit simplement de tendre, on enlève le bandeau. Celui-là, lui. Ah, t'es à la jonction des deux. Hop, et là, hop, on va faire ça. Ah, mais t'en as mis un deuxième. Oui, j'ai récupéré le reste de scotch de tout à l'heure. T'aimes ça, les restes de scotch, ça. Ah. Hop. Et ben là, du coup, voilà. Et on voit, hein, on voit bien que le scotch, on a l'allée ici supérieure, on voit bien qu'on est bien à la moitié. Donc on vient ouvrir, on en prend un petit peu. Je viens le poser ici parce qu'il colle vraiment plus, hein, cet adhésif. Hein. Là, je vais couper, si je trouve le ciseau qui est dans la poche, je viens couper avant puisque je suis en fin. Et là, je viens bien le long des pointillés. Et voilà. Et là, on est nickel. Et voilà. Avec le petit filet de nick là, propre. Ouais. Allez, je sais que ça plaît aux femmes.